Je dois faire une pause pour reprendre mon souffle. Cet endroit... Qui t'ai-je ? Jacob, les immortels. J'ai couru si longtemps et tellement vite que je n'ai même pas pris le temps de m'arrêter pour assimiler le fait que tout ça est réel. Une partie de moi n'arrive toujours pas à y croire. Mais je sais que Jacob disait la vérité. La chose qui a fait de lui ce qu'il est se trouve ici. Et je compte bien la trouver avant les Trinitaires. J'aimerais tellement que papa soit là pour partager cette découverte avec lui. Donc vis-à-vis de ça, il y a quoi comme possibilité qui est pas et les dégâts. Ouais, j'ai gardé cette là quand même. Jacob, je suis en route. Qu'est-ce qui m'attend là, en bas ? Nous n'y avons pas mis les pieds depuis que nous avons condamné cet accès. Il y a des siècles. Mais vous serez en sécurité. Jusqu'à ce que vous passiez le planétaire. Une annexe de l'observatoire ? Oui. Il a été conçu par mes astronomes, avant que les immortels n'enterrent la cité antique. Vous allez devoir le manipuler pour ouvrir l'accès à Kitej. Ouais, c'est impressionnant. Alors, comment est-ce que ça marche ? Je dois la mettre dans la bonne position. Je retourne encore, je pense. Normalement, ça devrait être bon. Thank you.
mets celui-là aussi. Il suffit de désenclencher le mécanisme. Désenclencher. Il y a une autre serrure de l'autre côté. Le peuple de Jacob était très en avance sur son temps. Fais attention, Lara. Ouais, il faut que je fasse attention, là, parce que ça va être chaud. Il ne me reste plus qu'à atteindre le sommet. Tout est une question de timing. Non. Oh punaise, punaise, punaise. Ah c'est chaud, chaud de la putain. Il ne me reste plus qu'à atteindre le sommet. Tout est une question de timing. Chance, Lara. Maintenant! Je dois continuer de grimper.
va être chaud, je pense, pour revenir sur l'autre côté. Bon. Tranquille. Des cloches. La cité antique est tout près. Lara, on est sur la montagne, au-dessus du glacier. Vous voyez les Trinitaires ? Ouais, ils commencent leur opération. Je viens d'arriver à la cité antique. Écoute, Sophia, il ne faut pas les attaquer trop tôt. On va attendre un peu. Je te recontacte bientôt. Ce fou poursuit sa route. J'ignore ce qui le fait avancer. Nous traversons les montagnes gelées aux confins du monde. Son peuple meurt. Tous les jours, je croise des tombes ou des corps abandonnés le long de la piste. Je suis amaigri et endurci, mais je touche au but. Mon cheval est mort. Cette jument qui me suivait depuis les campagnes contre les Bulgares. Je l'ai découpée. Et je porte la viande sur mon dos. Ils sont si proches. Je les entends chanter juste derrière la crête. Un son joyeux porté par le vent. Le prophète sera mort dans la semaine. Et je retournerai voir l'ordre de la Trinité. Triomphant. Plus qu'un jour. Et je l'aurai rattrapé. Le prophète est toujours en vie. Vu qu'il s'agit de Jacob. Thank you.